Comme prévu, on reçoit en studio l'artiste québécois Michel Robert avec le réalisateur Éric Canuel et le caméraman Pierre Gill. Est-ce que vous les avez reconnus? Ils sont ici avec moi. C'est la tribu ici. Est-ce que vous parlez? Oui. Oui. Un, deux, trois, oui. Ça nous arrive. Vous avez rapporté vos masques. Eh oui. Bon, ben, on va peut-être. Okay. Vous avez vu? Ouais. C'est ça. Alors, tu viens nous présenter ton nouveau clip qui s'appelle « Dans la jungle des villes ». Tu as rapporté des masques, alors c'est la jungle des villes, mais c'est la vraie jungle aussi. Hein? C'est la vraie jungle, c'est-à-dire qu'on a tourné le clip au mois de janvier. Alors, on s'est dit trouver une jungle au mois de janvier à Montréal, c'était plutôt délicat. Ouais. Alors, ce qui fait qu'on s'est retrouvé au Venezuela, la partie amazonienne du Venezuela. D'où la provenance des masques qui nous ont été donnés. Est-ce que tu avais ça en tête déjà lorsque tu as écrit ta chanson, tu voulais faire un genre de clip? L'idée, oui. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti avec un scénario qui avait été élaboré. Le début du projet, si tu veux, s'est fait avec K32 au départ, avec une subvention qu'on cherchait, qu'on a fait des demandes et tout et tout. Alors, on avait un projet, puis on a eu une subvention. Alors, on s'est dit, à partir du projet, à partir de la subvention, qu'est-ce qu'on fait pour trouver une jungle? Et c'est SOS Clip, SOS Kinofilm. 911 n'ont été pas très efficaces. Okay. Ah, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était possible de le faire avec le petit budget qu'on avait au Venezuela, parce que les coûts étaient moindres, parce que l'équipe de tournage ont été quatre sur l'équipe. Alors, on est parti caméra à l'épaule. T'es à l'aventure, vraiment, un peu, quand ouais, même. Oui, on est parti du scénario, en réduisant, bien sûr, parce que là, on était comme limité, puis on s'est dit sur place, là, on improvisera. Alors, ça a donné le clip en question, mais dans une semaine de tournage avec l'organisation sur place, et puis c'est mais là, donc, extraordinaire comme voyage. Vous êtes vraiment arrivé dans la jungle, c'est pas un peu effrayant? Vous n'aviez pas peur avant de partir, de vous ramasser avec... Non, mais disons, on est arrivé en ville, dans une petite ville pour commencer, puis on a passé 3 jours là, et après, on est allé en Amazonie. Dans la jungle. Dans la vraie jungle. Oui, dans la vraie jungle. En jeep, en pirogue, à cheval. Ouais. Chose qu'on n'avait pas prévue, dans le fond. On s'est dit, oui, la jungle, mais il y en a peut-être une proche de la ville, tu sais, mais il n'y en avait pas une proche de la ville. Il fallait prendre l'avion pendant 2 heures pour se rendre là-bas. Et là, vous avez tourné le clip dans un vrai village. Vous avez les masques, c'est-à-dire, vous ne les avez pas achetés chez Wilco, je suis sûr? Non. Ils étaient trop chers, on est allé chercher là-bas. Oui. Donc, vous avez rencontré des vrais indigènes locaux là-bas? Oui. Ouais. Et ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent pas au masque que vous avez vu. Ça donne quoi comme buzz quand on rencontre des indigènes pour la première fois? C'est une autre civilisation. J'en vois des fois, moi, ici, mais il y a des vrais. Ils ont une guitare. Le village dans lequel on a été très surpris parce qu'il semblerait que d'autres gens sont passés avant nous et il s'est passé quelque chose. Alors, les adultes n'étaient pas là. Les seuls qu'on a vus, c'était les enfants. OK. Évidemment, c'est complètement... ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Là. C'est un autre mode de pensée. Tout à fait. Puis là, est-ce que vous avez tourné... On voit aucun adulte? On voit des enfants dans le Il y a des adultes parce que tu as des séquences dans la ville. Oui. Et puis, le reste, il y a des enfants. Il y a des animaux aussi. Entre autres, il y a une iguane. Vous remarquerez l'iguane qui donne un coup de queue. Mm-hmm. La caméra a fait ce truc. Le seul problème qu'on a eu technique, c'était ça, c'est qu'on a scrappé un objectif de caméra parce que le coup de queue a vraiment tordu. Là. C'est méchant, un iguane. C'est méchant quand tu l'approches pas, mais quand tu fais le comique. C'est ça, à peu près, ouais. C'est que Pierre, il me dit, touche-y pour le faire bouger, mais il pensait que je toucherais du bout du pied. Moi, le smack, j'allais flatter le dos, puis il n'a pas vraiment apprécié. Ah, mais pas grave, ça passe bien. Non, mais c'est ça, dans le clip, ça passe très bien. Et les masques, vous les avez eus comment? C'est les vrais masques? Oui. On les a... on a bargainé avec un Espagnol, un vieux monsieur d'une soixantaine d'années, qui allait dans les tribus indigènes guérir la malaria. D'accord. Ça fait 30-40 ans qu'il fait ça. Puis il ramenait ça de ses voyages. Puis là, il y avait toutes sortes de petites choses dans son magasin. Puis... Donc, c'était de ses souvenirs à... Puis ça a été difficile. Il voulait pas nous les vendre à des Americano, tu sais, touristes. Puis on dit, non, Americanos, Canadiens, tu sais, blablabla. C'est arrangé un petit peu. C'était surtout blablabla. Blablabla. Mais finalement, on lui a expliqué le besoin, ce qu'on voulait faire avec ça, puis ce que ça représentait aussi. Donc, c'était bon pour l'image de la nature. Puis à la fin de cette discussion-là de 2 heures, il nous a donné le masque de la chance en nous disant pour le tournage, on a acheté 3. Alors, ça, c'est le masque de la chance. Il nous a donné le masque de la chance pour le tournage. Ensuite, toi, Eric, c'est le masque. Ça, c'est le diable. El Diabolo. Le diable. El Diabolo. Je sais pas si c'est des vrais dents. Oui, c'est des vrais dents. Ah oui, c'est le singe. Le singe, il y a des dents de singe d'ailleurs, je pense, c'est des dents de macaque.
T'es pas sûr? Je suis pas sûr. Et est-ce que ça t'a apporté de la chance, en fin de compte, la chance? Moi, je dis que la chance, on a eu un tournage qui a été exceptionnellement agréable sur toute la ligne. Ouais. Le clip, moi, je l'ai vu, naturellement. Alors, le résultat du clip, pour moi, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir un clip qui répondait à ce que moi, je voulais comme exigence. C'est-à-dire, dans la jungle des villes, pour l'espèce de parallèle entre la jungle et la ville, qui est le texte de la chanson aussi. Puis les images qui se sont présentées coïncidaient exactement avec le texte que j'avais dans la chanson comme tel. C'est aussi la chanson-titre de ton nouveau micro-sillon. Ouais. L'album s'appelle « Dans la jungle des villes », puis j'ai travaillé cet album-là avec Michel Cyr, qui est l'ex-claviériste du Zeb. Et Michel est arrivé en studio à un moment donné avec 30 secondes de musique. Il me dit « Écoute ça, ça te tente de faire de quoi là-dessus? » Et moi, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « Safari », avec une musique, naturellement aussi. Puis la musique coïncidait presque, comme par hasard, avec ce que lui avait fait. Alors, j'ai dit « Michel, on s'offre un cadeau, ou je t'offre un cadeau. Tu me fais la musique complète de ça, je finis le texte en fonction de la musique. » Puis comme on fait l'album ensemble, l'album s'appellera « Dans la jungle des villes », puis le 45 tours s'appellera « Dans la jungle des villes ». Est-ce que tu collabores toujours pour parler musique avec d'autres artistes? Sur l'album, j'en parlerai sûrement un peu plus longuement quand il sera sorti, puis je reviendrai. Ouais, oui. Mais je collabore à l'occasion, mais je m'organise toujours pour avoir soit la moitié ou la complète chanson. Oui. Soit parole et musique, ou un des deux. Et est-ce que tu as déjà un groupe qui travaille toujours avec toi ou tu utilises des musiciens de studio? Pour l'album, c'est des musiciens de studio. Ouais. Et puis, il y avait un groupe avec qui je travaillais. On va probablement retravailler le truc, remonter le groupe. Le spectacle, pour monter un spectacle. Donc, on va regarder ce vidéo, tourné en Amazonie encore une fois. En Amazonie, et ce que je vous conseille tout le monde, vous prenez votre petit piton de volume sur la télévision, puis vous le montez un peu plus, parce qu'il y a aussi de la musique dessus. Oui, puis c'est un très, très beau clip. Donc, le voici en primeur à Musique Plus, dans la jungle des villes avec Michel Robert.